20 ans après le traumatisme de l'affaire Dreyfus en 1914, les Juifs de France, qu'on appelle alors israélites, sont mobilisés comme tous les hommes. Mais ils veulent affirmer à tout prix aussi leur patriotisme, une attitude volontariste pour briser l'antisémitisme latent. Depuis les décrets émancipateurs de la Révolution française, les Israélites sont des citoyens à part entière. Sous Napoléon, le consistoire central organise le culte juif qui devient privé. À la déclaration de guerre, les Israélites adhèrent à l'Union sacrée. Ils sont 36 000 mobilisés sur les 180 000 membres de la communauté. Ils se disent que le sacrifice consenti confirmera leur intégration. Ils rendront à la nation ce qu'elle a offert à leurs aïeux. S'engagent aussi 7500 juifs étrangers résidant en France. Depuis la fin du 19e, ils ont fui les pogroms en Russie, en Europe centrale et dans l'Empire ottoman. Le 2 août 14, ils défilent à Paris avec les autres étrangers. La foule crie « Vive les Juifs! Vive les Russes !» Sur les affiches, on peut lire « Frères, c'est le moment de payer notre tribut de reconnaissance au pays où nous avons trouvé l'affranchissement moral et le bien-être matériel. » Mais malgré l'union sacrée, les préjugés ne disparaissent pas. Les Juifs sont victimes de discrimination dans certains régiments de Zouaves. On les accuse de combattre pour la gamelle. On traque les planqués à Paris, des magasins sont saccagés. Les Ligues nationalistes lancent dès 1916 une guerre des chiffres sur le nombre réel d'engagés. Après l'armistice, passé l'allégresse, les théories sur le complot juif international reprennent de plus belle. Jusqu'à l'horreur de la Seconde Guerre mondiale, 76 000 juifs français seront exterminés, dont 900 anciens combattants.